Ok, Akmal. Merci d'être venu, Akmal. Merci par qui? Je suis quoi? Un mec qui s'appelle Akmal. S'appelle comment? Il s'appelle Akmal. 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 Mal. Ce truc, juste là. Akmal. 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 Salut, je m'appelle Akmal. Non, c'est Akmal. Non, le mec s'appelait Akmal, je sais pas. Mal, là, il y a un chiffre derrière, j'ai pas fait gaffe. Le mal de Gauthier. Moi non, mais ce n'est point un ami à moi. Cloche du convocateur.
Un poivreau. Merci.
Je suis toujours debout. Et en un seul morceau. J'appelle ça une réussite. Bateau sur l'eau. Oh, c'est le plus beau des bateaux. Oh, des bateaux. Bateaux.
fini. Très bien, là. Ça signifie la racine. Oh, grand Dieu. Le. Mais qui sait? Comment puis-je vous aider? Oui, je sais comment. Ce miroir. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Elle vous permet. D'accord. Mais ne perdez pas trop de temps. Ce n'est pas l'envie qui ment. Je regrette. Mais j'ai payé le prix fort pour. Oh, je ne veux pas accepter le prix à. J'en sais fichtre. Donnez tout ce que. Bonne chance. Vous avez.
Une fois encore, les enfants du cœur pensent pouvoir changer l'inévitable. Ils ne voient pas la vérité, la futilité de leurs actions. Nous apportons la pureté non, au chaos, non plus, ça va. La sérénité au tourment. Tout sera consumé. Cela est nécessaire et bénéfique. Les enfants ne comprennent pas. Les enfants pensent que leur vie valent d'être vécue. Les enfants se trompent. Les mondes et le cœur des mondes vivent dans la douleur, l'agonie, la discorde. Nous apportons la paix, l'équité, le silence. Tous ne font qu'un dans notre étreinte. Les enfants résistent à ce qui est irrésistible. Ils livrent une bataille qui ne peut être gagnée. Leurs actions n'ont pas la moindre importance. Ils peuvent s'y opposer encore et encore. À chaque fois, ils seront détruits. Nous les consumerons tous. Thank you.
C'est vieux, mais c'est marrant, ouais. Mr Bean, bien sûr que si. Oh, Ben Hill, j'étais pas né, mais j'en ai déjà vu des Ben Hill. Akira, moi je connais Shakira, mais Akira je connais pas. Je suis pas d'humeur à bavarder. Ouais. D'accord, voyons ça. Alors comme ça, vous avez abattu. J'ai encore du mal à y... Ah, vous en avez dans le... Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis pas d'humeur à bavarder. Bonne route. Wow, la vache.
Oh, il m'a niqué les oreilles, cet enculé. Un pétard. Ah ouais, il m'a niqué les oreilles, ce fils de chien. Oh. Ouais, si, un peu, mais... Niquer cette PD, hein.
casse les couilles. Il casse les couilles sous la... De la difficulté survie là, sérieux. Chorus, c'est quoi? Niveau 15, 19, service 13. Vous fallait quelque chose? Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis pas d'humeur à bavarder. Quoi? Ok, très bien. Laissez-moi tranquille maintenant. Faites gaffe là-dehors. Hé, hey, salut! Qu'est-ce qu'il vous faut? Circulez. Ouais. Vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps. Ouais, cool. Partez, Nicole. Il vous fallait quelque chose? Ah, voyons ce que j'ai en réserve. Oui. Bonne route. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Pourquoi il se fait chier avec ça? Pourquoi il se fait chier avec ça? Mais je dois charger cette histoire là, putain de paresse.
C'est une ferme. Ça c'est mon temps pire, ça va être là pour ce soir.
crue. Qui est-ce que tu sers ? J'imagine que c'est... Je connais votre engeance. Vous êtes Paxultec, étranger. Il y a longtemps. Un bon ami. Ford, le Paxultec, a aidé notre cause. Sans lui, mais Ford est parti, désormais. Il l'interroge pour nous trouver. Une reine le maintient prisonnier dans sa ziggourate. Cette dernière est facile à trouver. Ford, lui, beaucoup moins. Je suis Navoun. Autrefois, une sentinelle de l'impératrice elle-même. Aujourd'hui, à la tête. Pour tout dire, ce sont des immortels que nous combattons. Les descendants des lignées de l'impératrice, ses esclaves, les colquettes, sont les véritables victimes. Ils sont élevés, mais l'immortalité est un mensonge. De nombreuses rotations. L'un de vos siècles, peut-être. Les nobles ont piégé ces hommes dans une caverne et les ont massacrés jusqu'au dernier. J'ai trouvé Ford loin de la caverne, blessé, à l'article de la mort. J'aimerais pouvoir l'aider maintenant, mais il y a des choses trop importantes en jeu. C'est moi qui... Oui, il est revenu de nombreuses fois, nous a offert son aide, les armes, les stratégies, les connaissances de son monde... Il disait que ces États-Unis avaient l'habitude des rébellions. La dernière fois qu'il est venu remonte à 20 rotations. Il a dit qu'il resterait vivre avec nous, combattre à nos côtés. J'étais si heureux, mais les nobles l'ont appris. Ils lui ont tendu une embuscade. J'étais une sentinelle de l'impératrice et j'ai partagé le fruit de vie. J'ai vécu des centaines de vos années. Cela fait bien des rotations que je ne me suis plus nourri du fruit. Mais même encore, c'est une longue histoire. Voulez-vous vraiment l'entendre ? Éon après Éon, l'impératrice a contrôlé la noblesse en s'accaparant le Taen. L'arbre, le fruit du Taen, les rend immortels. Mais l'arbre lui-même est mort depuis longtemps. Un secret que la maison de l'impératrice garde jalousement. Les nobles nourrissent des soupçons. Mais tant qu'ils reçoivent leur part du fruit, qui est conservé dans les quartiers de l'impératrice, ils ne posent pas de questions. Je le savais. J'en étais malade. Et pourtant, j'ai continué à la servir. L'immortalité est une impérieuse maîtresse. Une noble intention. Les ressources se faisaient rares. Les nobles geignaient et ergotaient sur un mensonge, pendant que les villages les plus isolés souffraient. Enfin, pour apaiser les nobles, l'impératrice a accusé le village de Xoka de vol. Je faisais partie de ceux qu'elle a envoyés. Ces villageois étaient innocents. Des familles, des enfants. C'est ce jour-là que je me suis puissiez-vous trouver ce que vous cherchez. Yaesha vous accueille, Paxultec. Avez-vous besoin puissiez-vous trouver ce que vous cherchez. Ugh!
Oui, il est là, Romain. Il va pas tarder à y aller, Romain. Oh, gars. Oh, écoutez, un petit épisode. Salut. Je sais pas, j'ai fini Gotham, donc je vais regarder ce qui se présente. Il y a des petits bugs là, dis donc. Ce monsieur a bugué. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, du coup.